Salut tout le monde, c'est Pictia. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle création de Sirène dans les Sims. Alors oui, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, mais c'était sans contenu personnalisé. Alors forcément, avec des contenus personnalisés, ça change la donne, forcément. Là, on va pouvoir ajouter beaucoup plus de détails pour la forme sirène de nos Sims. On va pouvoir ajouter des détails de peau comme des écailles, des dessins sur le visage, des yeux peut-être un petit peu plus pastel, parce que moi j'aime bien ce genre de couleurs pour les sirènes. Et puis aussi de jolies couleurs de cheveux. Voilà, donc là je commence par une première Sims qui, elle, sera plutôt naturelle. Et l'autre sera plutôt vraiment poussé surnaturel avec une peau d'une autre couleur et des cheveux d'une autre couleur également. Et celle-là par contre aura sa couleur de peau naturelle avec ses cheveux naturels également. Ce sera une fille de Sulani, comme j'avais pu le faire en fait la dernière fois en créant une famille de Sulani. Mais je sais pas, quand je suis tombée sur son visage à elle, je me suis dit qu'elle était super mignonne et qu'il fallait vraiment que je vous la partage avec des contenus personnalisés. Il fallait que je vous la propose avec quelques nouvelles tenues, du nouveau maquillage, des nouvelles coiffures également. Voilà, je me suis amusée à télécharger de nouvelles choses que je vous ai partagé sur mon Tumblr. Donc si jamais vous voulez retrouver tous les contenus personnalisés que j'ai pu télécharger récemment, n'hésitez pas à aller sur mon Tumblr, vous avez ça dans la description si jamais. Voilà, donc on commence avec notre Maoni Kalano. Et oui, très beau prénom, je trouve, très inspirant. Il y a beaucoup de orange et de rouge dans cette tenue. Regardez cette sublime robe ouverte sur le côté. Par contre, elle bug un petit peu en jeu. Je sais pas si c'est à cause des accessoires ou à cause de la coiffure peut-être, mais c'est vrai qu'elle faisait un petit pic assez spécial et du coup ça faisait un trait dans votre jeu. Donc je sais pas, je vais vérifier ça. Et puis vous aussi n'hésitez pas à vérifier si c'est par rapport aux accessoires. Mais elle est trop belle cette robe, donc je trouve qu'elle n'est pas à louper. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Pour les yeux, vous pouvez voir que j'en ai téléchargé de nouveaux. Alors ceux-là ne sont pas par défaut, mais je crois que vous pouvez les télécharger par défaut si vous voulez. Donc c'est vrai, je confirme, ils sont super méga beaux. Il y en a d'autres que j'ai pu télécharger au final, voilà, je regrette hein. Je les aime pas tellement, donc je pense que je vais les retirer de Tumblr. Comme ça, vous ne ferez pas l'erreur de les télécharger. Il y en a aussi que j'ai téléchargé pour les sirènes. Vous les verrez tout à l'heure. Au niveau du maquillage aussi, il y a quelques nouveautés comme l'eyeliner, le blush, le rouge à lèvres et le fard à paupières. Ouais, en fait, il y a pas mal de choses. Au niveau du fard à paupières, j'ai téléchargé, je sais pas, peut-être 5 nouveaux fards à paupières. Ils sont trop trop beaux. Il y en a des mats et il y en a d'autres un petit peu plus lumineux avec des dégradés. Enfin, c'est vraiment joli, je trouve, pour les Sims. Je trouve que c'est rare de trouver un joli fard à paupières Maxis Match. Et là, vraiment, j'ai eu mon petit bonheur. Je trouve cette Sims vraiment très simple, vraiment très nature. En général, elle porte très peu de maquillage, mais c'est pour les petites soirée que là je vais lui mettre beaucoup de couleurs et je trouve que ça lui va trop trop bien. J'adore la coiffure qu'elle porte d'ailleurs et pour sa forme sirène, mais cette coiffure est magnifique par contre. Celle-là je pense que tout le monde doit la télécharger tellement elle est jolie. Je lui ai mis un petit jean et un petit top un petit peu plus couvert pour la tenue hiver, mais on sait que si elles habitent à Sulani, eh bien voilà. On n'a pas forcément besoin d'être très couvert. Même s'il y a une grosse tempête, j'imagine qu'il ne fait pas très froid. Côté sirène, du coup, on va s'amuser à rajouter des écailles sur la peau de notre Sims. Du coup, j'en ai choisi des orangés, puisque comme je vous l'ai dit, sa couleur ou ses couleurs, ça sera le rouge et le orange. Je trouve que ça va trop bien à son teint. Du coup, on se retrouve toujours avec les mêmes combinaisons, le blush, l'eyeliner et un joli fard à paupières. Mais le détail, ça va être les écailles. Vous voyez, ça vient se poser sur tout son corps et je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc vous avez plein de couleurs différentes, donc vous pourrez créer des sirènes de toutes les couleurs si vous voulez. J'ai téléchargé aussi de nouvelles queues de sirène, donc encore une fois, de nouvelles écailles. Là, pour Maoni, j'ai décidé de choisir une couleur qui était déjà dans le jeu. Mais par contre, le fait d'avoir rajouté les écailles sur la peau, eh bien en fait, ça va créer un effet doré. Vous allez voir par la suite, parce que là, j'ai choisi cette queue-là. Mais c'est pas réellement celle-là que j'ai choisi. J'ai choisi une
que rouge et ça ressort trop trop bien. Et pour son haut, j'ai décidé de poser des petits coquillages assez naturels. Voilà, ils sont beiges et ils sont trop jolis. Donc la petite corde qui les relie normalement a été retirée. C'est un contenu personnalisé et j'adore la couleur de ces coquillages. C'est vraiment très naturel et encore une fois, je trouve que ça va super bien avec sa couleur de peau. Et j'ai choisi de lui mettre quelques petits accessoires comme des petites perles, mais vraiment très simples. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, vous pouvez aller dans les chapeaux et lui poser une couronne de fleurs ou une couronne de coquillages à télécharger aussi. Vous avez tout sur mon Tumblr, bien évidemment. Voilà, ça peut être joli, mais moi, j'avais pas envie que ce soit la grande reine des sirènes. J'avais envie que ce soit une sirène très simple pour celle-ci. Et voici sa jolie queue de sirène. Ensuite, on passe à la prochaine sirène. Alors, en jouant avec les dés, je suis tombée sur une autre Sims qui ressemble à Maoni. Et je trouve qu'elle pourrait carrément être sœur. Du coup, je la garde de côté et je pense que je vous la partagerai parce que j'ai adoré son visage à elle aussi. Donc, on la garde de côté. Et on passe à une autre Sims. Voilà, je voulais quelqu'un de différent et je voulais une peau claire cette fois-ci et un visage assez allongé, donc on est parti avec celle-ci. Alors au début je trouvais que c'était le style de visage que je fais tout le temps et ce que j'ai changé c'est juste le nez. J'ai changé pour un nez un petit peu plus rond et du coup je trouvais que ça changeait tout son visage et que ça donnait une Sims différente de ce que je fais d'habitude. Je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais moi je trouve qu'il y avait une petite différence. D'ailleurs c'est marrant parce que le visage de cette Sims m'a fait penser à une actrice qui joue dans une série de Netflix. C'est quoi déjà la série ? The Society, je sais pas si vous l'avez vu, mais elle me fait penser à la blonde qui sort avec le mec un petit peu psychopathe sur les bords. Voilà, elle est très 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 jolie et du coup je trouvais que, je sais pas, son visage ressemblait pas mal. Du coup je lui ai mis les mêmes yeux que j'ai pu mettre à la première sirène, sauf que cette fois-ci elle a les yeux bleus, elle. Mais quand elle se transformera, vous verrez qu'elle n'a pas du tout les yeux bleus. Je vous ai remis le même rouge à lèvres et le même blush, vous n'allez pas télécharger 3000 choses comme ça. Bon, je vais essayer de vous mettre dans la description les liens un par un de tout ce que j'ai pu utiliser dans la vidéo. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Tumblr et de voir tout ce que j'ai pu télécharger dernièrement. Mais je pense qu'en premier lieu, je vais vous laisser juste le lien Tumblr dans la description et petit à petit, je viendrai poser les liens de chaque élément. Juste, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais je sais que ça va être plus pratique pour vous. Voici sa première tenue, un haut épaule dénudée violet, trop joli, avec le short que je mets d'habitude, qui est un contenu personnalisé aussi. Et puis pour la tenue habillée, là on va jouer le côté un petit peu plus princesse, avec un maquillage toujours assez naturel quand même. Elle va avoir juste un petit rouge à lèvres rose pour faire ressortir sa bouche, mais sinon il n'y aura pas trop d'éléments. En fait, elle a un côté naturel quand elle a une forme humaine et très très surnaturel quand elle est sirène. Elle me fait penser un petit peu à Cendrillon avec sa tenue habillée. Bon, pour la tenue de sport, on reste assez simple et pareil pour la tenue pyjama. À force, on n'a plus d'idées hein, pour ce genre de tenue, mais j'ai changé la coiffure pour avoir des petites bouclettes naturelles. Pour sa tenue de soirée, je lui ai posé une robe de La Donne Saison. C'est une petite robe bleue avec des fleurs. Elle est trop mignonne, je trouvais que ça allait trop bien avec sa couleur de peau. Et je lui ai mis également une robe violette, épaules dénudées. Cette robe, c'est un contenu personnalisé. J'ai craqué dessus, je la trouvais trop trop belle. Et pour le maillot de bain, je me suis lâchée un petit peu plus sur le violet parce que oui, sa couleur à elle, c'est vraiment le violet, donc j'ai essayé de mettre des touches de violet un petit peu partout, mais c'est assez rare dans les tenues. Quant à la chaud, elle va avoir un petit crop top noué avec un pantalon noué aussi, je trouve trop beau, ça donne un autre style par rapport à ce que je fais d'habitude et je trouvais que ça lui allait trop bien. Je trouve que ça la rend très douce, je sais pas, je la vois comme un personnage vraiment très calme, très bienveillant. Et la tenue d'hiver, elle va se retrouver en jupe avec un haut à manches longues. Regardez son style, c'est super beau, ça fait un petit peu pirate sur les bords, mais j'adore. Et quand elle se transforme en sirène, elle se retrouve avec la peau mauve, ainsi que les cheveux mauves. J'adore ce genre de couleurs, les couleurs pastel pour les sirènes, je trouve ça super joli. On va même lui mettre des yeux violets, donc ceux-ci sont téléchargés, et oui, ils sont beaucoup trop beaux pour faire partie du jeu, n'est-ce pas? Enfin, pourquoi ils nous créent pas déjà de base des choses comme ça? Je suis désolée, mais c'est pas assez compliqué.
Et je lui ai mis un effet rosé, un petit peu plus sur tout le corps. Et voilà, ça la rend encore plus lumineuse, je trouve. On va mettre un bon fard à paupières qui prend bien les yeux. Il est violet. Et le rouge à lèvres rose donnait encore un petit peu plus de fraîcheur à son maquillage. Je lui ai posé des oreilles de sirène. Bon, qui peuvent passer également pour les aliens, mais ça va super bien sur les sirènes. Si vous voulez télécharger des oreilles, je vous en ai partagé plein sur Tumblr. Vraiment, ça fait toute la différence dans le style. Après, vous pouvez lui poser une couronne. Je trouvais que la couronne avec les coquillages lui allait bien, et l'autre petite couronne avec les mini queues de sirène. C'est bizarre ce truc, mais c'est joli. Mais ouais, moi je suis pas trop fan des couronnes. J'aime bien la simplicité, quoi. Elle est déjà super belle comme ça. J'ai rajouté encore des peintures de visage. Et pour finir, j'ai rajouté des accessoires comme un joli collier et un bracelet au bras. Et également, j'ai rajouté, je sais pas si vous pouvez remarquer, mais il y a comme un highlighter sur tout le corps. Et ça, c'est un contenu personnalisé également qui se trouve dans les accessoires au niveau des bracelets. Et je trouve ça trop joli. Quand vous tournez votre Sims, vous pouvez voir qu'elle brille. Et voilà, pour les sirènes, c'est super beau. Et voilà, on arrive à la fin de la création de ces deux sirènes. J'espère qu'elles vous plaisent. Nous avons Maoni, la petite déesse de l'île. Et nous avons Ellie Shell qui, elle, est la petite déesse de l'océan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez et vous pourrez les retrouver dans la galerie avec mon identifiant origine, Patafouin Téluba 40, qui est dans la description. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, prochainement une construction. Bon courage avec la canicule. On crève tous. Bisous, portez-vous bien.